Hey, what's up? Bon bah c'est samedi, le premier samedi du confinement de fin octobre. Bref, on s'en fout, mais on va faire quelque chose aujourd'hui. On va continuer le projet sur le garde-boue 3D de Chrono et on va faire de la photogrammétrie. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, donc j'avais tenté de reproduire un garde-boue en 3D. J'avais fait appel à un prestataire. Le rendu n'est pas tout à fait au rendez-vous puisque il est bien carré, ça ressemble pas tout à fait à ce que je voulais. Et donc j'avais dit, bah, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ça fait une semaine que je potasse la modélisation 3D et aujourd'hui je m'attaque à la photogrammétrie. Donc c'est de prendre plein de photos d'une pièce pour réussir à la reproduire, en fait pour la scanner, tout simplement, voilà, la scanner avec des photos. Ça c'est mon mur, ça c'est mon garde-boue de chrono. Je vais t'expliquer comment on fait. Donc voilà, j'ai placé ma pièce sur un super support Bombay Saphir. Je bois pas beaucoup d'alcool fort, mais le gin, j'aime bien. Quoique j'aime bien le rhum aussi. J'aime bien le pastis aussi. Hein, Mob Eleven. D'ailleurs, si vous connaissez pas la chaîne, allez voir Mob Eleven. Il fait de la mob et puis aussi des apéros, c'est sympa. Bref, là n'est pas le sujet de l'apéro. Ce qui va se passer, en fait, tu vas voir, bah, je vais prendre plein de photos comme ça. Je vais tourner autour de la pièce. Je vais prendre des photos de cet angle-là. Ensuite, des photos de cet angle-là, comme ça, en tournant. Et ensuite, des photos au-dessus. Et enfin, quelques petites photos tout au-dessus. Ensuite, ces photos, je les rentre dans l'ordinateur. Je les mets dans un logiciel, soit Meshroom, soit Autodesk. Il y en a un des deux qui fonctionne pas très bien. Bref, et l'ordinateur s'occupera de rassembler toutes les photos et de me faire un modèle 3D de ce garde-boue. Idéalement, donc c'est bien de tourner autour et prendre les photos et non pas de le mettre en statique et de le tourner. C'est ce que j'avais fait avant. J'avais commencé une vidéo, j'ai annulé, j'ai recommencé. Bref, et la meilleure lumière, c'est quand c'est comme ça, un petit peu nuageux. Comme ça donne une lumière qui se diffuse bien. Donc bah allez, c'est parti. Ce que je vais faire, de manière à être certain de ne pas rater mon coup, enfin, normalement, après ça dépend du logiciel, je le peins en plus clair. J'ai pas de blanc, donc tant pis, ce sera golden. Je le peins voilà, en plus clair, et dessus je vais faire des taches noires. Parce qu'en fait, ça fonctionne comme ça la photogrammétrie, c'est-à-dire que je suis pas informaticien, mais grosso modo, le logiciel, lui, va repérer des points, des nuances en fait sur l'objet, et ensuite va faire matcher toutes les photos entre elles. Si tu prends quelque chose d'hyper lisse ou de brillant, le logiciel ne sera pas capable de le reconstruire. A contrario, les photos que j'ai prises là-bas sur ma terrasse, il y avait des côtés où c'était un peu sombre, tu vois. Tu vois là, si je prends une photo de là, par exemple, le logiciel ne sera peut-être pas capable de reproduire tout ça, ou il faudrait que ce soit beaucoup plus clair. Donc je vais l'aider un peu, éclaircir un petit peu ce garde-boue, puis prendre des tâches. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Maintenant, pour faire des tâches, je vais marcher dans la merde. Putain, tiens. Pour faire des tâches, on va y aller bah, comme un bourrin. Je bénis au nom du père, du fils de pute. Et merde, merde, j'en ai fait un peu trop là. Voilà, j'ai terminé de faire le guignol. Donc, à quoi ça ressemble? Donc voilà, j'ai fait tous mes petits points de partout, ce qui va aider le logiciel à réassembler les images entre elles et se repérer. Et voilà, et me faire une modélisation 3D du garde-boue. Certains verront ce que j'ai fait, seront scandalisés d'avoir fait ça, que j'ai fait ça à un garde-boue de 103 chrono qui est rare. Sachez que moi aussi, ça ne me fait pas plaisir de faire ça. Mais si je pensais qu'à ma gueule, je l'aurais retapé propre, je l'aurais mis sur une mob, et voilà, et merci, au revoir. Mais non, ça demande des sacrifices de faire ces choses-là. De toute façon, il n'est pas fichu, hein. Mais voilà, il faut passer par là si je veux pouvoir modéliser cette pièce et que tous les mobeurs puissent l'imprimer et que cette pièce ne coûte plus 150 euros sur le bon coin. Peut-être que j'exagère 150, mais bref, c'est juste un bout de plastique, ça coûte cher. En général, tu ne l'as pas à moins de 80 euros.
Donc voilà, ça demande des expériences et une fois que je maîtriserai la technique, je pourrai reproduire toutes les pièces. Mais là, on est encore en phase recherche et développement, si tu veux ce que je veux dire. Allez, j'arrête mon blabla et je recommence la même opération. Je tourne autour de la pièce, je prends plein de photos et ensuite on met ça dans le logiciel. Gwen sort dans le jardin et elle me voit avec ça dans la main. Qu'est-ce qu'elle me dit? Bah, elle est super chouette cette peinture. En fait, ça fait à moitié Noël, à moitié asiatique. D'accord. Je valide. Donc tu vas. Ouais, mais pourtant, c'est pas du tout destiné à rester comme ça. Bah, va falloir. Va falloir changer les plans. Ok, nous sommes quelques heures plus tard. J'ai donc mis toutes les photos dans Meshroom, un petit logiciel. Puis voilà, là, on va laisser tourner certainement toute la nuit avant qu'il modélise. Donc, j'ai pris une soixantaine de photos. Laisser tourner toute la nuit avant qu'il modélise le garde-boue, si ça a fonctionné. On ne sait pas. Ni vous, ni nous le savons. Ni nous? Bon, j'ai essayé avec Autodesk, mais depuis quelques jours, évidemment, ça fonctionne pas, parce qu'ils ont muté les serveurs. Quand je vais mettre des photos ici, qu'est-ce qu'il me dit? Malgré que j'ai la version d'essai, il me dit d'acheter le logiciel. Donc, je suis un petit peu deg. Voilà, 40 € il faut acheter. Donc non, je vais pas acheter ça 40 € alors que je l'ai pas encore essayé et que ça ne fonctionne pas. Alors, on continue le casse-tête. Donc là, vraiment, ça a pas mal avancé. J'ai réussi à solutionner quelque chose. Je vous passe les détails. Quoi, ça te fait marrer, toi? Bah oui, ça m'a fait marrer. Mais arrivé à un moment donné, ça bloque. Ce logiciel, c'est pas si facile que ça de l'utiliser. Le problème, c'est que sur mon PC, j'ai pas de carte Nvidia et un truc Cuba, je sais plus. Bref, il est pas assez puissant. Donc, je consulte les forums pour trouver des feintes. Je vais essayer, je promets rien. Voilà, juste au cas où je foire tout mon travail, c'est pour vous dire que voilà, ça ressemble un petit peu à quelque chose. On va dire que j'y suis presque, mais c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. T'as ça. Donc là, le garde-boue, il est là. Donc, grosso modo, pour résumer, tous les points ici, ce sont mes points de caméra en fait. Hein. Tout simplement, tu vois, quand je clique ici, ça m'indique le point de caméra partout où j'ai pris mes photos. Et tout ça, bah voilà, ça a généré un nuage de points. Et là-dedans, c'est mon garde-boue, tu vois. Je vais essayer de feinter, je promets rien, c'est pas évident, faut quand même une bonne machine pour générer un fichier en 3D ou sinon pouvoir le faire sur un cloud, mais ça ne fonctionne plus chez Autodesk, j'en ai pas trouvé d'autres, enfin, c'est un peu un casse-tête, hein, mais voilà, ça demande des recherches, du travail, il faut sortir les doigts du cul et persister. Bon, j'ai bidouillé un petit peu, j'ai retiré les depth mats, enfin, genre le champ de profondeur et tout ça, malgré ça fonctionne pas. J'arrête pour aujourd'hui, j'en ai un peu marre, je trouve pas d'autre solution. La nuit portera conseil, ou les jours, ou idéalement j'essaierai ça sur une machine plus performante, genre le beau-frère. Et voilà, ça me met le pied à l'étrier pour commencer. Puis c'est bien, on a pas mal discuté avec Florian Masse, qui également bûche sur des problèmes comme ça, il fait de la. Et voilà, il s'intéresse à. Là, j'arrive pas à faire deux choses en même temps. L'impression 3D, pareil, la modélisation. Donc, c'est bien, on voit qu'il y a plein de mobeurs qui sont intéressés par ça, qui voient les possibilités que l'on va pouvoir avoir avec ça. Donc, voilà, reste à bosser. Je vous montre cependant ce que j'ai fait durant ce week-end aussi. Ça aura vraiment été un week-end pour la modélisation. Donc, là, je me suis amusé à refaire un capot de boîte à outils 203. Alors bon, il n'est pas ouf, hein. C'est genre une première esquisse. Normalement, c'est un petit peu plus bombé sur le dessus. Mais voilà, c'est un début. Ça fait qu'une semaine que je m'y suis mis. Et déjà, je vois le potentiel qu'il est possible de faire. Donc, dès que j'aurai acquis plus de connaissances, ouais, ça devrait être vraiment pas mal, quoi. Voilà, les gars. J'espère que ça vous aura été utile, que ça vous donnera envie de vous y mettre. Voilà. C'est tout, j'ai un autre à ajouter. T'as quelque chose à ajouter?